L'Euro Race Car NASCAR, c'est 24 courses, 50 pilotes et 2 divisions. L'élite pour les pros et semi-pros, et l'Open pour les jeunes talents et gentlemen. Depuis 2012, en Europe, la porte d'accès vers la NASCAR aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue à Brands Hatch pour suivre la troisième manche de la saison 2013 d'Euro Race Car NASCAR Touring Series. On commence tout de suite avec la première course élite du week-end et la pole position signée par Frédéric Gabillon en 48 secondes 390 devant Ander Villarino. Et au départ, c'est le français Gabillon, voiture bleue, qui conserve sa première position devant Villarino et Freddy Nordström. Parti en 9e position, Romain Iannetta effectue un départ sensationnel. Il fait l'extérieur à 4 voitures à l'abord du virage de Dreeds pour pointer à la 5e place. Gabillon, Villarino, Nordström, c'est toujours le top 3 à l'issue de ce premier tour. Alors que derrière, petites inquiétudes dans le peloton. Mais tout se passe bien. Gabillon, voiture bleue, devance toujours Villarino. Et derrière, énorme tête-à-queue de Luke Wright sur la voiture numéro 18. L'anglais est parti en travers suite à un contact avec son équipier Nicolo Rocca. Fort heureusement, plus de peur de mal pour Wright, qui pourra repartir en ayant perdu un minimum de temps. On revoit ce qui s'est passé et on peut apercevoir toute la dextérité du jeune Britannique qui remet rapidement sa voiture dans le sens de la marche. Bagarre dans le peloton pour la 4e position entre Javier Villa et Romain Iannetta. Le pilote de la voiture numéro 28 fait l'intérieur sur l'Espagnol au virage de Dreeds. Javier Villa qui est tout de suite menacé d'ailleurs par Jan Zimmer, voiture numéro 64. Mais l'Espagnol conserve toujours l'avantage. Dans le peloton, Anthony Gandon est à la lutte face à Stuart Goff et Willy Boussena. Le champion Euro Race Car 2009 fait l'intérieur sur Goff, voiture numéro 92, et s'empare de la 10e position. Au tour numéro 13, entrée en piste du safety car qui va resserrer les écarts. Le top 5 est composé de Gabillon, Villarino, Nordström, Iannetta et Villa. Au restart, le pilote de la voiture bleue numéro 05 conserve l'avantage sur Villarino alors que Romain Iannetta se défait de Freddy Nordström à l'extérieur du virage numéro 1. Jan Zimmer, avec qui nous sommes embarqués, fait l'extérieur à Javier Villa et tente de faire la même chose à Nordström. Ça ne passe pas au virage de Dreeds. Deuxième entrée en piste de la voiture de sécurité. Au tour numéro 19, Gabillon va devoir se méfier de Villarino et Iannetta. Un restart une nouvelle fois en double file. Et attention, c'est finalement Frédéric Gabillon qui prend le meilleur départ. Et Romain Iannetta prend l'intérieur sur Ander Villarino. Romain Iannetta très en verve à la relance. Qui devance donc le champion en titre, désormais 3e sous la menace de Zimmer et Wright en caméra embarquée. Frédéric Gabillon devance toujours Romain Iannetta, voiture jeune fluo numéro 28, et Ander Villarino. Le top 3 se détache petit à petit du reste du peloton. Caméra embarquée avec Iannetta qui tente le freinage sur Gabillon et c'est le contact. Ça ne passe pas, victime d'un blocage de pont au freinage. Il envoie Gabillon en travers et c'est Ander Villarino qui prend la première position. C'est donc Ander Villarino qui retrouve la première position devant Romain Iannetta et Freddy Nordström. Reparti le couteau entre les dents, Frédéric Gabillon tente tout pour revenir et se défait de Jan Zimmer à l'intérieur du virage numéro 3. Dernier tour pour Ander Villarino qui semble bien parti pour empocher sa 5e victoire en autant de courses cette année. Iannetta est toujours 2e devant les deux pilotes Rapido Racing by Steel. Nordström, voiture numéro 44, devant Gabillon, voiture numéro 5. Le champion Euro Race Car NASCAR en titre au volant de la Chevrolet Camaro numéro 2 a parfaitement su profiter des faits de course pour pointer en tête et donc s'imposer devant Nordström, le premier junior, et Frédéric Gabillon. Iannetta termine finalement 17e après une pénalité de 30 secondes suite à son contact avec Frédéric Gabillon. Un Gabillon qui va d'ailleurs montrer son mécontentement face à Romain Iannetta à l'issue de la course.
Guillaume Rousseau, 10e et le premier challenger, alors que la joie est contenue pour Villarino, tout de même félicité par son équipe. Deuxième course élite de l'American Speedfest à Brands Hatch avec la pole position signée par Ander Villarino en 49 secondes 148. Une pole position acquise grâce au meilleur tour qu'il a signé en première course. Il s'élance devant Gabillon, Nordström, Villa et Yanetta. À l'intérieur, c'est Villarino sur la voiture numéro 2 aux côtés de Gabillon. Et les deux hommes sont les plus prompts à s'élancer alors que derrière, Nordström doit faire face à Villa dans le mythique virage de Paddock Hill. Tout se passe bien pour le peloton Eurorescar NASCAR. Attention, derrière une petite faute de Guillaume Rousseau, voiture numéro 13 qui part en travers et pousse Willy Boussena. Grosse déception pour Rousseau qui va d'ailleurs se blesser légèrement au poignet droit dans cette action. Devant, pas de problème pour Villarino et Gabillon alors que Villa est menacé par Yanetta pour le gain de la quatrième position. Léger contact entre Luke Wright, voiture numéro 18, et Romain Yanetta. Zimmer en profite pour s'emparer de la sixième position à l'intérieur dans la ligne droite. Profitons un peu de ce circuit Indy à Brands Hatch en caméra embarquée avec Zimmer. Cette tour, Villarino est toujours leader devant Gabillon et Nordström, alors que Romain Yanetta, voiture numéro 28, est toujours très pressant sur Javier Villa, la voiture jaune numéro 9. Au 12e tour, Bruno Cozin, voiture numéro 55, se fait déborder par Nicolo Rocca au virage numéro 1. Le pilote français est en route pour remporter sa première victoire de la saison dans le trophée Challenger. Il y a de la bagarre à tous les étages dans le peloton Eurorescar NASCAR. Anders Fjordback, le Danois, voiture numéro 15, est menacé par Anthony Gandon pour le gain de la 11e position. Le Français va finalement passer à l'intérieur dans le virage de Druids. Une bien belle manœuvre de la part de la Camaro numéro 7. Les pilotes élites doivent se frayer un chemin dans le peloton pour se défaire des retardataires et c'est le contact entre Romain Yanetta, leur cinquième, et Hugo Beck. Yanetta perd son pare-choc avant dans l'aventure. Celui-ci reste coincé à l'arrière de la voiture numéro 8. Quelque peu gêné par l'absence de son élément de carrosserie avant, Yanetta doit contrer les attaques de Zimmer en bout de ligne droite. L'autre Suisse va finalement faire l'intérieur à Dreeds pour s'emparer de la cinquième position. Yanetta qui part d'ailleurs un petit peu large. Alors que les deux Toyota Camry de l'équipe Racing Club Partner sont à la lutte, et Javier Villa leur prend un tour mais fait une petite erreur et vient percuter la voiture numéro 20 de l'Américain Kevin O'Connell. Zimmer en profite pour s'infiltrer à l'intérieur et ainsi gagner une position. Il est quatrième. Après une course solide, Ander Villarino s'impose pour la sixième fois cette année. Il devance Frédéric Gabillon et Freddy Nordström, le premier junior. Le top 5 est complété par Jan Zimmer et Javier Villa. Bruno Cozin, 11e et le premier challenger. Villarino est félicité par Gabillon, l'Espagnol exulte. C'est sa sixième victoire consécutive dans un championnat NASCAR Touring Series, un record. Cette victoire est une vraie victoire. Hier, j'ai été très chanceux.
qui méritait de s'imposer. Je tiens à remercier l'équipe TFT. C'est notre sixième victoire de la saison. C'est incroyable. Je ne pouvais pas rêver d'un tel début de saison. Ainsi, nous pouvons aller à Tour Speedway en toute confiance. Nous pourrons réaliser une course stratégique et ne pas avoir à tout donner. Ce sera une course plus calme pour nous. Et au championnat, Villarino possède désormais 44 points d'avance sur Jan Zimmer, le premier junior, et 45 sur Nordström. Guillaume Rousseau, le premier challenger, est 7e du général. Depuis 2011, l'Eurorace Car NASCAR se rend en terre britannique et plus précisément sur le circuit Indy de Brands Hatch. Devant le succès de ses courses, le propriétaire du circuit Motorsport Vision a souhaité mettre en place un événement exceptionnel pour l'Eurorace Car NASCAR. Un week-end intégralement dédié aux États-Unis, au cours duquel la série officielle NASCAR en Europe est en tête d'affiche. Et les fans anglais ne s'y sont pas trompés puisqu'ils sont venus en très grand nombre saluer les pilotes et les équipes dans la région du Kent. C'est toujours plaisant de voir du monde. Malgré que le temps ne soit pas encore tout à fait au soleil, mais je pense qu'ils ne seront pas venus pour rien, on fera le spectacle tout aujourd'hui. C'est impressionnant de voir tout ce monde. On voit que nos amis britanniques aiment bien la course automobile. Ça fait quand même un petit peu d'adrénaline qui monte. On voit tout ce monde. On sait que dès qu'on va partir, tous ces yeux vont être sur nous. Ça va être impressionnant. Ah bah c'est pour une des raisons par laquelle je suis venu pour rouler en super en race car. C'est vrai que découvrir de nouveaux circuits et puis en étant la course phare à Brands Hatch, franchement j'apprécie. Et puis regarde, il y a juste à filmer derrière moi, c'est extraordinaire le monde qu'il y a. On se croit presque aux 24 heures du Mans. Faire un week-end comme ça en peu de temps, c'est quand même. Ils ont fait un super boulot, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités pour les spectateurs en dehors. Il y a un vrai enjeu sportif, les voitures sont belles, voilà, enfin je veux dire, tout le monde s'y retrouve pour l'instant, il n'y a rien à dire, quoi. On est content. Moi je suis un gentleman, je me retrouve au milieu de millions de fans, donc je suis heureux. C'est agréable de voir les gens venir sur la grille de départ. Ils peuvent s'approcher des voitures, ça leur change des tribunes. J'espère qu'ils apprécient et qu'ils seront encore plus satisfaits quand on va commencer la course. On est passionnés et eux, autant que nous, quoi. Donc on partage les mêmes choses. C'est super sympa pour nous de leur parler de ce qu'on fait et eux de voir ce que c'est vraiment vrai de l'intérieur, quoi. Voilà, c'est super sympa. C'est bien de voir ces fans anglais si passionnés. J'ai rencontré beaucoup de gens et je pense qu'ils vont apprécier les courses aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant de monde en BTCC. L'American Speedfest est exceptionnel. Un meeting de Brands Hatch qui fait la part belle aux États-Unis mais qui ne s'adresse pas seulement aux fans de sport automobile. L'Eurorace Car NASCAR, c'est aussi une manifestation pour toute la famille. Parents ou enfants, tous sont satisfaits par le spectacle et l'ambiance proposée. C'est vraiment super de voir l'engouement des gens pour notre série, hein, ou la course en général. On sait que l'Angleterre est un pays qui a de l'automobile. Il y a beaucoup de fans, on l'a vu. C'est vrai que tous ces enfants qui sont là avec le sourire aux lèvres, voilà, ils ont une banane terrible, ça fait vachement plaisir. Théâtre de cet événement, le magnifique tracé Indy de Brands Hatch est un petit circuit d'1,9 km très difficile à maîtriser, mais qui permet toujours des courses très serrées et spectaculaires dans le plus pur style de la NASCAR. Guillaume Rousseau, qui découvre le tracé, nous en dit plus. Je connais le jeu sur console comme beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'en vrai, c'est totalement différent. Il y a plein de petits trucs techniques. Je pense que l'année prochaine, je reviendrai plus fort parce qu'il y a plein de petites astuces que je n'ai pas encore découvertes, notamment au bout, là, mais ça va venir, ça va venir. L'American Speedfest, c'est également l'occasion pour les spectateurs de retrouver des voitures célèbres vues dans les séries télé et films américains. K2000, Retour vers le futur ou encore Sheriff, fais-moi peur. Mais aussi des voitures venues directement des ovales US, comme les Sprint Cars ou les NASCAR Sprint Cup. Trois pilotes de l'Euro Race Car NASCAR, Kevin O'Connell, Ander Villarino et Willy Boussena, ont déjà roulé aux États-Unis et peuvent comparer l'American Speedfest à ce qu'ils ont connu outre-Atlantique. Nous avons roulé à Mexico, à Montréal et aux États-Unis. Cette foule est géniale. Je pense que les fans vont apprécier les courses agressives offertes par les circuits routiers de la NASCAR. Ils sont fous de cela. Je pense que c'est encore mieux que Daytona et l'Union Battle at the Beach.
C'est comme si nous étions dans une course de Nationwide. C'est incroyable. La vue de la ligne de départ est sensationnelle. Il y a de nombreuses personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour voir les courses. C'est super. L'American Speedfest est exceptionnel. On réussit ce qu'ils font aux États-Unis, c'est une compi conforme et c'est bien pour tout le monde, pour les spectateurs, pour les pilotes, pour les teams, pour tout le monde. C'est intéressant car c'est ma première rencontre avec les fans européens. Ils apprécient les voitures et la NASCAR est vraiment faite pour tous les passionnés de voitures. Les fans ont été très gentils, c'est fantastique. Un véritable succès populaire qui a rassemblé des dizaines de milliers de spectateurs. Et pour rester dans cette ambiance exceptionnelle, rendez-vous sur l'ovale de Tours Speedway le week-end des 6 et 7 juillet prochain. Le week-end d'Euro Race Car NASCAR à Brands Hatch continue. Retour à la course avec la catégorie Open et la pole position signée par Josh Burdon en 49 secondes 0,83. Il devance Anthony Gondon, Julien Goupy et Guillaume Rousseau. Et au départ, Burdon, alors leader du championnat sur sa voiture numéro 18, prend le meilleur envol devant Gondon et Goupy, alors que derrière, Guillaume Rousseau est poussé par Vincent Gonneau et part très large au virage numéro 1. On voit ce qui s'est passé de l'intérieur. Rousseau est heurté à l'arrière droit et va faire un passage par le bac à gravier. Il repartira en dernière position. Deuxième tour, grosse sortie de piste d'Éric Quintal sur la Chevrolet Camaro numéro 2. Il heurte le mur et va abandonner. La voiture de sécurité fait alors son apparition et resserre déjà les positions. Au restart, Burdon protège sa position face à Gondon alors que Rousseau va commencer sa remontée dans le peloton. Il se défait de Jack Godin à droite et de Philippe Bodinière sur la voiture numéro 17. L'extérieur du virage numéro 1. Rousseau qui va ensuite se défaire de Stuart Liddell et Joseph Cosella. Le Français est reparti le couteau entre les dents. Également l'extérieur sur Christophe de Fierland, voiture numéro 46, et ça va passer juste avant la ligne droite des stands. Caméra embarquée, Kenzo Pastore juste derrière Goupy et Gandon. Le Philippin tente l'extérieur sur Goupy au virage de Dreeds, et ça passe pour le pilote de la voiture numéro 3. Rousseau continue quant à lui sa remontée et prend l'avantage sur Fangiola qui se dirige vers la victoire en catégorie gentleman. Goupy, voiture numéro 44, profite d'une petite erreur de Pastore au virage numéro 1. Le Philippin va partir un petit peu trop large et perd deux positions au profit de Goupy et Gonneau. Énorme glissade de Didier Beck sur la voiture numéro 8 qui va se planter dans le bac à gravier. Le safety car fait alors sa deuxième apparition en piste. Restart en double file avec Burdon sur la voiture numéro 18 qui est chassé par Gondon et Goupy. Côte à côte au premier virage. Gondon, voiture numéro 7, va finalement conserver sa deuxième position après Dreeds. Gabaron, Volpato, Rousseau, la bagarre est intense pour la 7ème position. Volpato, voiture numéro 64, va partir trop large dans Paddock Hill Bend et laisser filer une place au profit de Guillaume Rousseau. Et à l'issue de cette première course open du week-end, l'Australien Josh Burdon aura su résister à la pression pour s'imposer avec 1 seconde 144 d'avance sur Anthony Gondon. Jérôme Lorrain, premier Legends et 7ème, devant Franck Viola, le premier gentleman et vainqueur du prix Stand 21 de la plus belle remontée. Burdon est heureux, il est entouré de Gondon et Goupy sur le podium. Merci.
Deuxième course open de ce week-end britannique avec la pole position signée une nouvelle fois par Josh Burdon, auteur du meilleur tour lors de la course numéro 1. L'Australien s'élance devant Gandon, Gono, Goupy et Rousseau. Alors que pour sa première apparition dans le championnat, le Britannique Ian Goff est sixième. Et dès le départ, Burdon s'empare du commandement devant Gandon et Gono. Goupy est tout de suite menacé par Rousseau, voiture jaune, blanche et verte numéro 13. Et à l'issue du premier tour, c'est bien Burdon qui mène devant Gandon et Gono. Rousseau s'est finalement emparé de la quatrième place devant Goupy, Pastor, Goff et Volpato. Tout cela devant un public toujours aussi nombreux pour assister au spectacle des jeunes loups de l'Euro Race Car NASCAR Touring Series. La bagarre pour la cinquième place continue avec Enzo Pastor qui prend l'avantage sur Goupy, alors que Gabaron, voiture bleue numéro 5, doit se méfier de Ian Goff, voiture numéro 92. Contact pour Eric Quintal à la sortie du virage numéro 3, un week-end décidément à oublier pour l'équipier d'Ander Villarino. Devant, pas d'inquiétude pour Burdon alors que Gono est menacé par Rousseau pour la troisième position. Légèrement blessé au poignet droit à la suite de son accident en élite, le pilote de la voiture numéro 13 roule au courage et tient le rythme de Gono. Petit contact derrière entre Vernet, voiture numéro 22, et Lorrain, voiture numéro 55, qui part en tête à queue dans les herbes. Le safety car entre alors en piste. Attention au restart avec Gandon, voiture numéro 7 qui doit résister à la voiture numéro 15 de Gono, bien placée à l'intérieur. Josh Burdon qui mène toujours devant Gandon, Gono, Rousseau et Pastor. Et attention à la voiture numéro 3 qui va entrer légèrement en contact avec Gono. Mais tout se passe bien pour les trois hommes. La voiture numéro 15 conserve la troisième position devant Rousseau et Pastor. Troisième, mais le Français est toujours sous la menace de Guillaume Rousseau. Et la voiture numéro 13 va finalement prendre l'intérieur à Dreeds. Rousseau et sa Ford Mustang montent donc virtuellement sur le podium. Troisième tour de cette course, Josh Burdon est toujours leader, mais il est de plus en plus menacé par Gandon. Le Français tente tout pour se défaire de son adversaire direct au championnat. C'est très très serré entre les deux hommes à la bord du virage de Paddock Hill. Gandon, voiture numéro 7, est dans les échappements de Josh Burdon. Burdon semble être en difficulté avec sa monture. Et vous allez voir que c'est effectivement le cas. Le leader du championnat ralentit et c'est l'abandon pour la voiture numéro 18. Énorme déception pour le pilote Scorpus Racing qui avait mené tous les tours de cette course. Guillaume Rousseau va finalement hériter de la deuxième position à une minute de l'arrivée. Dernier tour pour tous ces hommes, Joaquin Gabaron sur la voiture bleue numéro 5 résiste à Gabriel Volpato et Kevin O'Connell pour remporter le trophée de gentleman. Devant, Anthony Gandon file vers sa deuxième victoire de l'année et se défait de Léonard Vernet, voiture numéro 22, vainqueur en catégorie Legend. Derniers hectomètres de course pour Gandon qui va célébrer comme il se doit son succès. Le pilote TFT fait une bonne opération au classement général et revient à 19 points de Josh Burdon. Le local de l'étape, Ian Goff, est quatrième et il est très satisfait de sa performance. Joie non dissimulée pour Gandon qui s'impose devant Guillaume Rousseau, blessé, et Julien Goupy, un temps 12e de cette course et qui remonte in extremis sur le podium. Le Français est dans le top 3 du classement général, juste derrière Burdon et Anthony Gandon. Gabaron mène toujours le classement gentleman, alors que Lorrain est en tête du trophée Legend. On s'est vite échappé avec Josh. Au fil des tours, j'ai réussi à remonter dessus. J'ai vu que je commençais à être un peu plus rapide. À chaque virage, ça commençait à fumer un peu pour lui. Je pense qu'il a fini par avoir un problème et c'est dommage parce qu'il a abandonné. J'aurais bien aimé finir cette course à la régulière avec lui parce que c'est toujours agréable de rouler avec Josh. Prochaine étape pour l'Euro Race Car NASCAR, l'Oval de Tour Speedway, le 6 et 7 juillet prochain.